La ferme des Peupliers, c'est une exploitation familiale agricole d'élevage qui existe depuis 1963 et la particularité, c'est que nous transformons le lait de nos vaches en produits laitiers, yaourt et fromage frais. C'est de pouvoir continuer à être exploitant tout en étant maître de notre destin dans le sens où nous transformons notre lait et c'est à nous de le commercialiser, de faire des produits de qualité qui sont reconnus en France et à travers le monde et de pouvoir, avec nos équipes, continuer à promouvoir notre ferme, notre marque, nos produits et d'avoir la chance d'être présent sur les plus grandes tables de France et du monde. Engagement. D'abord, c'est un métier de passionné puisque on sait que l'élevage, l'agricole, c'est quelque chose de très contraignant où il faut s'investir énormément pour réussir. L'engagement, parce qu'aujourd'hui, c'est un combat pour nous de continuer à faire valoir nos pratiques, notre patrimoine. On est engagé pour améliorer notre empreinte environnementale, notre empreinte sociétale, pour engager pour préserver le goût. Aujourd'hui, c'est un combat pour nous de préserver la qualité des produits et notre savoir-faire à la fois agricole mais aussi de transformation. C'est de transformer uniquement le lait de nos vaches, de produire les fourrages sur l'exploitation pour nourrir nos vaches, ce qui fait que nous sommes quasiment autonomes et nous avons la maîtrise de l'ensemble de la chaîne jusqu'au produit fini. C'est de faire des produits laitiers où nous recherchons une signature ferme des Peupliers vraiment d'exception et de qualité. On n'est pas là pour produire en quantité, mais produire en qualité. Et tout sur la chaîne de valeur, on va toujours chercher à produire le meilleur produit pour qu'on puisse être fier de ce qu'on fait et de retrouver ce produit voilà, à travers le monde, comme il faut l'expliquer, de partager cette fierté entre nous. On peut trouver nos produits localement. Sur la plateforme C'est fait dans l'heure pour trouver les magasins distributeurs sur le département. On peut aussi nous retrouver en région parisienne chez les crémiers fromagers, dans les grands hôtels et après un petit peu à travers le monde sur les plus belles tables, que ce soit au Ritz à Singapour ou à Hong Kong dans des grandes tables. Donc c'est une grande fierté pour toutes nos équipes. C'est juste pour prolonger l'héritage historique des 4 générations avant nous. Donc on s'est implanté dans l'heure et notre souhait c'est d'y continuer parce qu'on s'y sent bien et on est très attaché à notre territoire. Puisque c'est quelque chose de fondamental aussi dans l'agriculture et dans notre modèle, c'est qu'on est, comme je vous disais, on est attaché à la terre. Et la terre elle est dans l'heure, donc on y est forcément très attaché. L'avantage de l'heure c'est que c'est un département rural aux valeurs rurales qui sont partagées par les gens qui nous entourent et ce qui fait qu'on est soutenu dans notre développement et dans nos démarches par les populations locales, qu'ils soient élus ou même les habitants autour de nous, qui partagent un peu cette fierté du modèle avec nous et qui nous poussent à aller plus loin, qui nous aident à nous mettre en valeur et ça, ça nous aide et ça nous conforte. Que ça soit à Flipou, à Gravigny ou ailleurs, mais toujours dans notre département de l'Eure auquel on est attaché.